Psoriasis, mon ami. Ah. Elle me touche cette question parce que j'en ai aussi. Ok. Alors, chez toi, qu'est-ce que ça résonne? Ah, ça résonne, je veux être invincible. Et donc, je me crée une carapace qui me donne cet air-là. Mais au fond, derrière cette carapace, il y a... Pardon. Derrière cette carapace, il y a une vulnérabilité, évidemment. Une peur de ce que tu ne connais pas, oui. Une peur de ton passé. Et même parfois de ton présent avec les zones d'ombre qui y sont. Pourquoi? Parce que t'es la petite fille qui a peur du noir encore et tu veux pas te l'avouer. Et pour pouvoir gérer l'adulte, le monde des adultes tel qu'il est, tu as dû te créer une carapace, une forme d'invulnérabilité, de structure, de je gère, de je suis là, je suis présente. Voilà ce qui s'exprime à travers toi. Derrière, il y a... Alors, je sens une énergie féminine derrière, dans le sens où c'est très en lien avec ta féminité. Très en lien avec tes peurs de ce que c'est être une femme. Et peut-être même devenir mère. Comme si tu voulais couper la lignée des femmes maudites. Quelque part, il y a de ça là-dessous. Une forme de... Ouais, je veux couper ce qui n'est plus sain afin que la future génération soit protégée. Et donc, tu surcharges ton propre être, ta propre structure de mots qui ne sont pas les tiens, de fardeaux qui ne sont pas les tiens. Je dis ça, c'est aussi pour le groupe d'ailleurs, je renvoie l'information. C'est aussi l'information pour le groupe. Arrêtons de porter des choses de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents qui ne sont pas les nôtres. On le fait parce qu'on se sent redevable derrière. C'est ce que résonne le groupe. On le fait parce que il y a une forme d'injonction de prendre soin, même si on ne veut pas. Comme si on nous forçait à faire un bisou à quelqu'un alors qu'on ne veut pas. Au bout d'un moment, on est tellement épuisé à dire non qu'on se laisse dire oui. Pourquoi est-ce qu'on abdique notre vérité? Pourquoi on se laisse? On se laisse carrément manger par les autres, manger par les règles familiales, sociétales, qui ne nous conviennent pas, plutôt que d'avouer qu'on a sa propre vérité. Qu'est-ce qui fait qu'on troque sa vérité personnelle, son trésor, pour autre chose? Voilà où en est le groupe. Voilà notre challenge de la semaine, du mois, de l'année à venir, peut-être, je ne sais pas. C'est ça. Arrêtez de faire comme si on était un mouton. Arrêtez d'essayer de rentrer dans le moule et arrêtez d'effectivement rentrer dans le moule. Il y a une chose qu'on doit être, c'est exigeant envers soi-même. Exigeant face à nos besoins, de les connaître. Exigeant face à qui on est, de le reconnaître pleinement. De nos préférences, de notre positionnement. Parce que c'est comme ça que l'on rentre dans le plan de Dieu. C'est comme ça que l'on rentre dedans.
Si Dieu est un soleil, nous en sommes les rayons. À partir du moment... attends, il y a un truc. Ouais, je m'égarais un peu en disant ça. Ah, d'accord. L'exigence, ouais. L'exigence ne se place pas là où les autres le veulent. Notre, alors pas exigence, notre priorité, nos priorités ne se placent pas là où les autres le veulent, mais là où on décide qu'il y a priorité. Voilà notre responsabilité. Et voilà en quoi on ne se respecte pas. On est là à attendre des autres qui nous disent, ou l'extérieur, les situations, qui nous disent qu'est-ce qui est prioritaire pour nous. Comme si on se laissait par sidération porter par le courant. L'intention de base n'étant pas la foi, mais une sorte de peur de qu'est-ce qui se passe si je prends vraiment les rênes de ma vie. Voilà le questionnement dans lequel est le groupe.